Les gens qui vont être assis à la salle François Bernier aujourd'hui seront comblés, c'est évident, puisque l'artiste invité nous propose ses classiques que du meilleur, mur à mur. C'est extrait de son dernier album, qui est un peu une compilation, là, J'écoute la radio. Il s'agit de Daniel Lavoie, avec qui on célèbre 40 ans de carrière. Je pense que c'est un spectacle très attendu parce que ce spectacle-là, quelque somme célèbre aux 40 ans de carrière. 40 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup de chansons, beaucoup de succès aussi dans votre cas. Comment on se sent après 40 ans de carrière, encore motivé à en faire? Probablement moins. Probablement moins motivé à en faire, en tout cas. J'ai l'impression qu'avec les années, bon, et les succès, effectivement, on se rend compte que c'est juste ça. J'ai moins peut-être le feu sacré de choses à conquérir que je l'avais quand j'étais plus jeune, c'est certain. J'ai certainement toujours autant de plaisir à faire de la musique, à m'entourer de musiciens qui veulent puis qui aiment jouer de la musique. Ça, le plaisir est toujours aussi vif et toujours autant de bonheur à me retrouver sur une scène. Peut-être plus maintenant parce que j'ai l'impression qu'avant, j'avais des choses à prouver. Maintenant, j'ai moins de choses à prouver. J'y vais parce que j'aime ça. J'y vais parce que j'ai vraiment un bonheur à me retrouver puis à partager ce que je fais. Donc, ça change avec les années. Je pense que cette tournée ici, ça ressemble effectivement un petit peu à un bilan, comme d'ailleurs mon dernier album, qui est une reprise de des chansons qui, pour moi, ont gardé leur pertinence après 40 ans, certaines 40 ans, d'autres 20 ans, d'autres 15 ans, mais qui correspondent quand même à l'époque dans laquelle nous vivons. Et j'ai décidé avec cet album-là, justement, de revisiter les chansons que j'aimais le plus. Et heureusement, ça tombe souvent sur les chansons que le public a aimées le plus. Et puis leur donner peut-être des nouveaux habits, refaire la cuisine, comme on dit. Le futur de Daniel Lavoie, maintenant que cette compilation-là, cette relecture est faite, qu'est-ce que ça va être? Vers quoi vous allez aller? Écoute, j'aimerais bien ça pouvoir vous le dire. J'ai jamais été très, très friand de cartomanciennes anciennes et de gens. Je ne crois pas à l'astrologie et j'espère que mon futur sera le moins désagréable possible. Je fais confiance à la vie. De toute façon, on sait tous où ça s'en va. Donc, j'ai aucune illusion là-dessus. Artistiquement, vous avez un peu de pouvoir. Artistiquement, j'ai encore des choses à faire. Est-ce que ça peut intéresser les gens? Ça, c'est une autre histoire. Parce que on fait des choses. Pour moi, l'art, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement toujours pour les autres. C'est certain que je vais continuer à faire ça parce que c'est ce qui compte le plus dans ma vie, puis c'est ce qui est le plus agréable à faire.
Je continue toujours à écrire depuis des années, mais bon, j'ai publié un tout petit recueil, et donc il en reste des tas gros comme ça dans mes archives qui sortiront peut-être jamais. Mais ce n'est pas important pour moi. Pour moi, ce qui est important, c'est de choisir une façon de faire les choses, de vivre et de créer. Puis ça vient, ça fait partie de ce qu'on est. Peu importe si les gens soient là pour l'entendre, que les gens soient là pour l'entendre ou l'applaudir. Et en tout cas, je pense que vous êtes dans le moment présent et ce soir, on sera là pour apprécier. Bien, je suis bien heureux. Je pense que vous allez être contents parce que c'est la première fois que je me permets un show où je choisis les tunes que les gens me demandent depuis des années et que, bon, quand je présente un nouvel album, c'est toujours... j'aime ça présenter des nouvelles chansons, mais ce fois-ci, j'ai juste choisi les chansons que les gens me demandent. Donc, je pense que tout le monde va être content. Je suis sûre que oui. Merci. Bon spectacle, M. Lavoie. Merci beaucoup.